Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour le 35ème épisode sur Death Stranding. Oui, bah oui, moi aussi. Et nous devons aller voir Deadman dans une cabane pour récupérer notre bébé, enfin. Donc, je sais pas à combien on est de lui. On va voir ça dessus. 439 mètres. Il y a l'air d'y avoir une grosse montée. Merci à Friendom pour le pont qu'il nous a mis. Tiens, attendez, on va essayer quelque chose là. Je vois qu'il y a une magnifique tyrolienne. Oh oui! Oh oui, moi je dis oui, c'est magnifique ça! Parfait! Non mais vous avez vu ça? C'est la première fois du coup que j'utilise une tyrolienne. C'est parfait! Putain, c'est génial! Merci à Bloody Gorround, ça mérite des likes. Franchement, nickel. Tiens, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, nous c'est la cabane. Non. Premier prêteur. Oh non, moi je veux la cabane. Ah, je regarde pas au bon endroit. Elle est où cette cabane? Attendez, je comprends pas là. Là par contre, je suis à côté d'un. Ouais, je suis à côté d'un truc là. Premier prepper, on va aller voir. Oula, oulala. Ah ouais, il y a quelqu'un ici. Le problème, c'est que j'ai rien pour lui, moi. Putain, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. C'était pas prévu, ça. Oh là, d'accord, il me demande... Oh, il me demande d'aller retourner chez les mules à côté de chez Bricoleur, quand même. Non, 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 non. Non, 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 tu te démerdes. J'y vais pas. Bon, la cabane. Alors... par là, vous êtes sûr? C'est ça. Bon, allez, on y va. Est-ce qu'il n'y a pas un... Là, il y a une tyrolienne là-bas, là, mais je vois pas le... La tyrolienne de retour. Si je pouvais l'utiliser, ce serait parfait. Ah, je vois qu'il y a une antenne là-haut là. Là.
essayer. Je garantis rien, mais... Regarde sur le plan. Ça sera pas marqué. Et ben non. Bon. Attendez. Voilà. Allez, on descend. Lâché. Maintenant. Allez. Parfait. Hop, 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 hop. Doucement, doucement. Vous verrez, je suis sûr que quand je serai arrivé là-bas, on la verra à l'autre bout de la tyrolienne. Allez, bah là, pareil. Proche du bord. Ça me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, quand on est arrivé à la première ville relais du lac. Je peux pas descendre plus bas là. Allez mon grand. Voilà. C'est laborieux. Voilà. Et on va le servir beaucoup ici. Pareil, tiens, un petit like pour toi. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mètres de corde, ça devrait le faire. Nickel. Eh ben, on la voit bien la tempête. Est-ce que quand on aura terminé cette tempête, est-ce qu'elle va disparaître? Je pense que oui. Et du coup, est-ce que ça va répercuter sur cette région? Ce serait tellement bien parce que là, ça va être compliqué de livrer chez les gens. Et 5 étoiles là. Je vois même pas où doit être l'autre moitié de téléphérique. Oula. Ouais, carrément. Il va être transporté avec moi, du coup. D'accord. Ok, eh ben, ça commence bien là. Bon, bah, qu'est-ce qui va nous attendre là?
Ah bah j'ai terminé le... Ça y est, l'épisode 6 c'est bon. Enfin le chapitre 6. Donc là, on passe au chapitre suivant. Alors je sais qu'il y en a 14 je crois, donc on est à peine à la moitié, nom de Dieu. Alors peut-être que les chapitres suivants seront plus courts, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a plus de Blizzard ici. Et oui, et du coup, Deadman y est aussi. Me dites pas qu'on va contrôler Deadman. Les Deadman, s'il vous plaît, je ne veux pas. Non, il faut le retrouver peut-être. Ah, plus le suspense est lié, quoi. Ah non, on va peut-être devoir le retrouver, justement. Te revoilà, toi. Quel est ton rôle là-dedans? Avec le chien rouge. Allez. Ah bon. J'espère que j'ai gardé tout mon équipement. J'ai pas pris tout ça pour rien. Ah, y a tout là déjà. Enfin, y a des trucs par terre déjà. Codec. Sam,
Denman. Ah, vous n'êtes pas facile à joindre. Où est-ce que vous êtes? Aucune idée. Je vois des chars et des soldats. Ces uniformes datent d'il y a plus de 100 ans. Je dirais que ce sont ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Ah d'accord. Vous avez vu le type qui commande les soldats? Non. Je crois que c'est celui dont vous nous avez parlé. Ce connard de soldat décérébré qui cherchait à buter bébé. C'est notre ticket de retour, pas vrai? Aucune idée. C'est la deuxième fois pour moi. Et sans bébé, on aura du mal à le trouver. Heureusement, votre bébé est ici et en parfaite santé. Il vous attend. Où est-ce qu'on se retrouve? Y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire dans le coin? Je suis dans les égouts. Attendez. J'arrive à voir une tour par le trou. Une tour carrée. Elle est juste au-dessus de moi. Impec. Je trouverai ça et je chercherai une entrée vers les égouts. Vous pouvez pas juste attendre? Avec plaisir. Je ne bouge pas d'un pouce. Oui, mais si je suis un peu lent, ce sera à vous de jouer. Quoi? Cet enfoiré de guerrier. Il en avait pas après moi, en fait. Mais après bébé. Ah, c'est pas vrai. Ouais. S'il cherche quelqu'un, ça peut être que vous. Oh non. Allez, grouillez-vous, Sam. Tenez bon, j'arrive. Et ne connectez pas le bébé non plus. Vous le mèneriez directement à vous. Oh, c'est pas vrai. Mais vous le ferez pas, puisque vous les détestez. Je l'ai fait parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Déconnectez-vous. Vite. C'est déjà fait. Ne le laissez pas prendre, bébé. Mais comment? S'il se pointe avec ses soldats, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je riposte? Si jamais je dois faire un choix entre le bébé et moi... Ça n'arrivera pas. Je mets fin à l'appel. Sam... J'ai pas vraiment la vie facile, vous savez. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'amis... C'est pourquoi j'ai cherché du réconfort et un peu de compagnie auprès des morts. Des morts qui constituent près de 70% de mon corps. Ils font partie intégrante de ma personne. Mais depuis que je vous connais, j'ai ouvert les yeux, Sam. Vous êtes très spécial, vous savez. Ok, bon. Allez, c'est parti. Hop, je prends tout ce dont j'ai besoin. Hop. Si je regarde la map. Ok. Putain, il y a encore des trucs là-bas. Je sais pas si on doit la jouer discret ou quoi, mais en tout cas, ils n'existent pas. Quand je ne me fais pas attaquer, je continue. Attendez. Non, on peut pas y aller là. Cryptobiote. Ah, il y a des dauphins là, des chouets. Alors. Ok. Ah bah je suis dans le rond là. Ah c'est fermé. Ok. Y aller.
Par où on va? Je suis pile dans le rond là, hein, mais... On va essayer là-bas alors. Ah, il y a un autre passage au fond. Ah, c'est là. Portée. Projecteur. On fait du bon boulot. On se voit bientôt. Alors, bon, moi je suis arrivé dans les égouts. Maintenant, est-ce que j'ai une indication? Non. Rien. Ouh là 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 là, que c'est pesant! Pourquoi je sens qu'il va y avoir de la compagnie là dans pas longtemps. Hop, j'essaie d'avancer plus vite. Ah, putain. Cata, catastrophe. Ah putain, merde. Le bébé. Je pense que c'est là. Par ici. Ça. Lou. Votre bébé devrait fonctionner à nouveau. Faites-moi voir. Parfait. Rien sur les côtés, je dois réorganiser tout ça parce que... C'est peut-être une grève particulière pour tous les soldats qui sont morts au combat. Je crois surtout qu'on devrait se tirer d'ici. Oui, c'est sûr. Je suis étonné. Je m'attendais à ce que vous abandonniez bébé. Moi, jeter du matériel précieux, ça va pas. Alors, vous partagez toujours vos souvenirs? Oh, je vois. Ah. Restez là. Faut que j'aille m'occuper d'autres souvenirs, on dirait. Je vais lui faire sa fête. Ça devrait nous sortir d'ici. Vous savez, Sam,
Je crois que je commence à comprendre pourquoi ce bébé est si important pour vous. Hein? Ce n'est jamais qu'un outil. La vie et la mort ne devraient pas entrer en compte. Mais on a quand même fini par s'attacher l'un à l'autre. Pas vrai, hein? Ce bébé n'est pas qu'un outil. Son nom est Lou. Lou, hein? C'est un très joli nom. Bon. Ok. Alors je vais réorganiser tout mon attirail là. Saisir. Saisir quoi? Ah là, c'est l'échelle, j'imagine. Alors attendez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Fusil d'assaut, putain, j'ai abandonné un fusil d'assaut. Oh là 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 là. J'abandonne rien, moi. Allez. Allez, on reste bien sur le... sur le milieu. Voilà. Et comme ça... on est bon. Voilà. Parfait. Allez. On continue. Évidemment. On se rebaisse. Allez. C'est bon. Bon, il va falloir que je trouve l'autre là. Je sais toujours pas comment il s'appelle. Peut-être Clifford, peut-être lui. D'où le nom de la partie. Parce que je ne sais pas du tout à quoi correspondrait le nom. Hein, parce que le bébé c'est Lou. Voilà les saloperies là. Récupérez mon bébé. Alors, faut voir, est-ce que j'ai pas une grenade là? Putain! Ah bah non, je suis mort, merde!
Chargé à la dernière sauvegarde. J'espère que je recommence là. Ah hein. Oh, putain. Vaincre l'homme mystérieux, oui. Alors je vais plutôt prendre un fusil d'assaut peut-être. J'ai recommencé, pardon. Avant que je rentre dans les égouts. Pas mal là. C'est bien qu'il y aurait un chieur là. Proche de ça. Un blindage aurait peut-être été pas mal ici en fait. Allez, ça fait du bien ça. Hop. C'est bon. Poche de sang. Grenade ou quoi, l'enfoiré? Ah, je vois rien! Putain! Ah, et je vais recommencer au début, évidemment. Il va falloir que je fasse plusieurs sauvegardes. Hein. Au même endroit. Ben oui. Ah là 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 là.
Où est bébé? Fais chier. Dépêche. Putain, il m'emmerde. Ah, je vais être bloqué ici, quoi. Fuir ce putain de champ de bataille, putain. Quand même pas modifier les paramètres de sécurité. Ouais, mon bébé. Je suis né. De sang, faites voir, c'en est où là? Alors ça, on décharge. Hop. Placé dans la poche, voilà. Alors. J'en ai 4, c'est bon. Ouais, j'ai encore quand même pas mal de poches de sang. Allez, hop. Cette fois-ci, on va... Oui. Je vais sauvegarder. On peut pas. Pourquoi? Oh, putain. Génial. Il est où ce problème? Tu nous emmerdes. Continuez de chercher. Hey, il pop pas tout le temps au même endroit. Où es-tu, bébé? Rendez-moi mon bébé. Ok, donc là, ah, c'est impossible. Bon sang. Il nous emmerde, Clifford. Je suis né. Me battre. Tirez à vue.
je peux y aller en mode sniper, je dis pas non. On avance, on avance. Cool. Allez. Est-ce que c'est lui d'ailleurs? Je me demande si c'est pas lui. Ouais, c'est lui. On a besoin de renfort. Trois dents. Ok. Ouais, mais... Je peux toujours pas sauvegarder. Putain, non. Attendez, les poches de sang. Hop, porté sur le dos. Placé dans la poche. Voilà. Il me dit tout droit. Où ça? Je le vois pas. Là. J'ai pas d'autre niveau 3 là. Si. Là-haut. Ok. Blindage. Alors. Ça, ça dégage. Blindage. Attendez. Oui, blindage, accroché, prendre la main, décharger. Oui, bah oui, accroché alors. À la place de arme de poing. Oh bah oui, de ça. Voilà. Ah, il m'indique qu'ils sont derrière. Est-ce que d'en haut je peux pas les avoir? Non. Tu vois ce que tu vas te récupérer toi? Allez.
ça. Une petite poche de sang supplémentaire. Alors attention. Récupérez mon bébé. Je crois qu'il est monté. Allez, crève! On a besoin de renfort! Putain, il crève pas, l'enfoiré! Oh, je l'ai défoncé là. Gwen, mon bébé. Mon bébé. T'es eu ? Oh, la grenade, elle était parfaite. Yes ! La grenade était juste parfaite. Bébé. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû te mettre dans cette prison. Bébé. À me demander si le bébé c'est pas lui en fait. Si ça se trouve c'est ça. Hein. On verra bien. Ah. Hein. Et j'avoue, là la dernière grenade, franchement, je suis trop fier. Ok. Bon, du coup, le blindage m'aura servi à rien, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on est à 50 minutes, du coup. Putain, je pensais pas mettre autant de temps sur un épisode comme ça. Enfin, sur cette partie-là. Mais peu importe.
Voilà, trophée obtenu. Ah, il n'y a pas d'image, c'est bizarre ça. À mon avis, il n'a pas chargé. Ok. Ah, je me réveille dans un... dans une chambre privée. Ça, par contre, j'en sais rien. L'eau. Oula, oulala. L'eau. L'eau. Alors Sam, comment va Lou ? Aucune réaction. Vous avez vu ça ? J'ai comme l'impression que Lou m'apprécie. Vous aviez perdu connaissance, alors je vous ai fait amener là. Vous aviez raison. Quoi que vous ayez fait là-bas, ça nous a ramenés dans notre monde. Votre marchandise et vos affaires sont dans votre stockage privé. Cool. Vous avez dormi comme une marmotte, une journée entière. Moi, je suis retourné à la capitale relais. Il faut admettre que la grève de Fragile s'avère bien utile. Ah oui, mais avec ça. Écoutez, je vous présente mes excuses. Lou était le nom que vous vouliez donner à votre propre bébé s'il avait survécu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je vois vraiment pas de quoi vous parler. J'ai trouvé des archives datant d'une dizaine d'années. Un décès, brusque, en pleine rue, en ville. Une jeune femme qui était dans la fleur de l'âge. Personne ne l'a su avant la néantisation, le désastre. Elle était mariée à un type qui bossait chez Bridges, qui avait le Dooms. Il a bien essayé, mais il n'a pas réussi à arriver à temps. La ville entière a été rayée de la carte. Il n'en restait plus qu'un grand cratère et le mari. Évidemment, c'était un rapatrié. Les gens exigeaient des réponses. Avait-il caché le corps de sa femme intentionnellement? L'unique survivant était l'unique suspect. La solution de facilité, c'était de l'accuser. Et très peu de temps après, les gens s'en sont pris à Bridges. Le mari s'en est tellement voulu qu'il est parti. Et sa femme, la défunte, elle s'appelait Lucie. Elle était enceinte, la malheureuse. Ils avaient prévu d'appeler leur fils Lou. C'est pas arrivé. Pourtant, si. La présidente Strand me l'a dit. Elle passait tout son temps à parler de vous. Elle disait que rien ne vous avait obligé à couper les ponts et à fuir. Putain, vous allez la fermer. Ne vous énervez pas, Sam. Asseyez-vous. Je vous ai parlé de la composition de mon corps, à 70% fait de prélèvements sur des cadavres. Est-ce que vous voulez en connaître la vraie raison? L'histoire que vous avez entendue, je l'ai totalement inventée. Je vais vous le dire. Je suis le monstre de Frankenstein. Artificiel. Fait à partir de cellules souches pluripotentes. Et comme l'étincelle vitale ne s'est pas manifestée dans tous mes organes, les défectueux ont été remplacés par ceux de cadavres. Je ne suis pas venu au monde. Je ne suis qu'un pantin de chair sans âme et sans cas. Un mort vivant. Tous les gens qui sont nés de façon classique ont une grève. Vous en avez une. Bébé en a une. Mais moi, je n'ai pas ce genre de lien. Je n'ai pas de mère. Pas de vie après la mort. Pas de grève. Alors vous comprenez pourquoi tout ça m'obsède à ce point-là? Pourquoi j'ai rejoint Bridges? Ce champ de bataille-là, ça, c'était une grève vraiment atroce. Mais curieusement, ça ne m'a pas déplu. Je savais que vous viendriez me chercher. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. Un lien avec quelqu'un, qui que ce soit.
Rien ne vous obligeait à couper les ponts et à fuir, vous en êtes conscient. La présidente Strand avait tout à fait raison. Sauf qu'en réalité, j'avais rien à fuir. J'ai jamais vraiment eu ma place là-bas. Vous en êtes sûr? Même moi, j'ai ma place. Alors ça, vous l'aviez dans la main. Une plaque d'identification de l'armée américaine. On a eu un peu de mal à vous l'enlever. Clifford Unger, comme vous le voyez. Je l'ai cherché dans notre base de données. Cette correspondance. C'était un soldat des forces spéciales américaines. Envoyé au Kosovo, en Irak, en Afghanistan. Ouais, c'est lui. Je sais, mais je n'ai rien trouvé de plus pour le moment. Vous devez être couvert de matière qui râle après le champ de bataille. Il est temps de prendre une douche, non? Oh non, je ne viendrai pas avec vous cette fois. Le problème avec Die Hard Man est définitivement réglé. J'ai fait en sorte que nos conversations ne soient jamais enregistrées. Ok. Et la ville relais des montagnes, voilà où est-ce qu'ils m'ont amené. Ok. Bon, et ben on va faire la tiraille habituelle. Hein. Bon, bah je suis content d'avoir fait ce chapitre-là. Parce que mine de rien, on avance. Donc là, du coup, on est au chapitre 8, pardon. Donc chapitre 8 sur 14, il me semble. Oh putain, j'ai les mains dégueulasses. Chapitre 8 sur 14. Donc, ah cool. Les bottes de livraison ont fait leur commande, donc c'est parfait. Donc mine de rien, on avance. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors je sais que les derniers se font beaucoup plus rapidement que les premiers. Il y aura beaucoup moins de commandes. Enfin, sauf si je fais en hors ligne comme d'habitude. Hein, mais bon, disons que pour vous, les chapitres vont se faire de plus en plus rapidement. Donc c'est pas plus mal. On va aller voir le bébé aussi là. Parce que... Je vais voir mes monsters, je vais en boire 3. Voilà. Je fais tout ça maintenant, comme ça vous serez tranquille dans le prochain épisode. Mais en tout cas, alors le Dead Man là, qui est un zombie, Frankenstein, alors je me demandais quelle était cette marque sur le front. Effectivement, ça ressemble énormément à Frankenstein. On dirait qu'il s'est fait ouvrir la tête pour implémenter quelque chose à l'intérieur. Mais voilà, on ne sait pas trop encore son rôle là-dedans. Bon, après, si, il a dit qu'il avait, comment on peut appeler ça, intégré Bridges à cause de ça. Maintenant, on ne sait pas trop pourquoi il a été créé, voilà, c'est ça. Lui, il a intégré Bridges de par sa propre volonté. Et on ne sait pas pour quel truc il bossait. Enfin, pourquoi il a été créé, en tout cas. Voilà. Revenir. Ah tiens. Est-ce qu'on va apprendre des choses là-dedans, là ? Donc oui, dans Cauchemars et Souvenirs, revisiter les cauchemars de bataille, vous voyez. Donc là, je peux refaire le chapitre 4 et le chapitre 7. Si j'en ai envie. Mais non. Ok. Du coup, jeter un coup d'œil non plus au bébé, mais à Lou. Apaiser Lou. Et il va revenir avec nous. Envie de dormir. Et ça fait plaisir. Comment ça va? On va pouvoir
relocaliser visuellement les échoués, parce que je n'y arrivais pas forcément hein, sans loup, donc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah putain, prendre une douche, il me met qu'il y a un nouveau, une nouvelle interaction. Donc du coup, on va activer le terminal. Ok. Livraison auto. Ouais, donc il y en a une normalement qui a déjà été faite. Et voilà. Bon, mais moi je vais lire les mails et on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. On va reprendre directement ici en prenant la douche et on se retrouve donc bientôt pour la suite des aventures de Death Stranding. Allez, salut à tous!